enfin, Nicolas, le meilleur chroniqueur de l'année 2010. On y va. Dans le monde. Ça va. Dans la meilleure émission, d'ailleurs. C'est une bonne émission, j'ai envie de vous faire une déclaration d'amour. Je vais finir comme ça. C'est vrai ? Vous voulez qu'on s'embrasse ? Un jour, je vais faire ça, ouais. Mais faites attention à moi, hein, parce que je suis très trouble, hein, vous savez. Je vous aime, Nicolas, je vous aime. Allez, c'est à vous. Lundi. Lundi, littéralement ensorcelé, décidément, par le charme diabolique de l'intellectuel prédicateur Tarek Ramadan. Étonnant mélange entre une star bollywoodienne, il est très beau, et un mollah d'Iran, selon qu'on s'adresse au professeur suisse qui parle bien à la télé ou au religieux énervé qui parle trop dans le micro. Bref, lundi, je m'insurge à mon tour contre ce monde dévergondé où quelques maris laxistes autorisent encore leurs femmes à traîner dans la rue les chevilles apparentes. Lundi, chez moi, c'est terminé. Fini les jupes au-dessus du genou et les tétons qui pointent à tort et à travers. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Lundi, moi, je balance un voile sur tout mon entourage. Mes petites sœurs, à la burqa. Ce sera tchador à volonté pour mes 13 fiancées. Décision urgente, vu que la plupart d'entre elles se sont surtout fait connaître en posant à moitié nue dans des revues littéraires aussi prestigieuses que Glamour, FHM, Entrevue et autres calendriers annuels de la salope niçoise. Pour ne citer que mes deux favorites, Sandy Caramel et Claudina Schiffer, je les enferme dans ma cuisine, bâchée des pieds jusqu'aux pois chiches. N'étant pas intégriste, mais plutôt modéré, comme Tarik, à la télé, je leur accorde gracieusement le droit de découper elles-mêmes leur voile dans un carré Hermès. Parce que moi, mes femmes, je les veux pudiques, mais chic. Du coup, lundi après-midi, je m'attelle à la rédaction de mon futur best-seller, modestement intitulé « Le prophète s'habille en Prada », dans lequel j'expose mon rêve d'un monde meilleur. Un monde dans lequel les femelles ne jouiraient plus de tous ces droits cyniques. Ces droits qui leur permettent de nous larguer quand on les aime encore, de porter plainte abusivement, sous prétexte qu'on les éduque à coups de batte de baseball, merde, et de nous tromper avec des types plus jeunes, plus beaux, plus drôles. Oui, ça existe. Mardi, par la même occasion, je retire à toutes ces connes leur carte d'électrice. Vu qu'elles n'y connaissent rien et qu'il a été prouvé qu'elles cogitent avec leur corps davantage qu'avec leur tête. Et à ce train-là, quoi, le Bellâtre de Villepin ou le Dandy Montebourg seront élus dès le premier tour. Et moi, je ne veux pas d'un président playboy. Parce que la seule beauté que je tolère chez moi, elle se reflète dans mon miroir. Mardi soir, afin d'être certain d'épouser une jeune vierge, je n'attends pas qu'elle ait 10 ans, ni 12, ni 13. Je procède moi-même à sa fabrication génétique dans un tube à essai de l'Institut Pasteur. Mélangeant l'ADN d'Angelina Jolie avec un poil de la moustache de sœur Emmanuelle. Je la veux bonne et pieuse. Je la regarde ensuite grandir dans une couveuse stérilisée, bercée par des chants grégoriens et autres prières coraniques. En outre, grâce à un procédé révolutionnaire, j'installe un système digicode sur ses futures parties génitales, certain d'être le seul à posséder le code de ses futures entrailles célestes, puisqu'on me l'a greffé sur le bout de la tige. J'en profite pour remarquer ce soir que certaines filles dans le public mériteraient elles aussi de porter quelques voilettes. Non pour des raisons religieuses, mais plutôt esthétiques. Car, comme dit l'autre, quand on a une gueule pareille, on a la politesse de la garder pour soi. Mercredi, coup de fil paniqué de Franz-Olivier Gisbert, mon ami, mon amant. Nicolas, me dit-il, c'est la catastrophe. Quoi ? La direction de France 2 m'oblige à recevoir Patrick Sébastien. Non ! Non, c'est pas... Mais pourquoi donc, lui dis-je ? Qu'est-ce qu'il viendrait foutre dans une émission culturelle ? Justement, me dit-il, c'est la nouvelle formule. Chaque semaine, on placera un footballeur, une chanteuse de variété, une actrice porno ou un type rigolo entre deux intellos. Ils ont fait le calcul. Suivant le principe antagoniste des comédies de Danny Boone, il y a moyen de battre la une, enfin. Et pourquoi pas, lui dis-je. C'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant que Patrick Sébastien est très sympathique, je le dis sincèrement. Vous êtes très sympathique. J'applaudis à trois mains l'esprit rebelle de l'une des seules vedettes prétendument vulgaires à n'avoir pas chanté Victoire, place de la République. Moi, ça me fait plaisir. Voilà un homme qui a du cœur. Il aime sa mère, sa femme, son chien, ses téléspectateurs. Pas de chien. Même s'il a tendance à les confondre un peu, écrivant avec son chien en caressant le public. Enfin bref, Franck s'éclate en sanglots. Il me dit non, je ne sais pas quoi lui dire.
m'avoue-t-il en se mouchant dans la bio d'Alain Minc. Faut que tu m'aides, me dit-il. Je ne connais pas la France d'en bas, moi. Les guinguettes de province, la télé qui fait de l'audience, tout ça, ça me fout les ch'tons. Moi, je ne connais que des ministres et des chroniqueurs pédants dans ton genre. Ça va faire 25 ans que je ne suis pas sorti de Saint-Germain-des-Prés. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Du coup, je dis, nous voilà partis, France et moi, comme de tapette, vers des contrées lointaines, au volant d'un camping-car. À nous deux, les Francs Dubosc, nous allons à la rencontre du petit bonhomme en mousse. À quoi ressemble-t-il, ce fameux petit bonhomme ? Quelles sont ses convictions ? Quelles sont ses opinions ? Jeudi soir, on débarque chez monsieur et madame tout le monde, nous qui ne sommes pas n'importe qui. Comme je n'ai que des préjugés, j'ai troqué mon costard de dandy ridicule contre un survêtement Sergio Tacchini, laissant respirer mes larges roubignoles pour la première fois de leur vie. On s'assoit à leur table, on bouffe de la blanquette, on boit du Beaujolais nouveau, ancien, peu importe, on rigole, puis on dégueule, on se raconte des blagues sur des blondes dégénérées et des arabes qui sentent mauvais. Ouais, c'est la fête, quoi, la vraie. Pas celle d'Edouard Baird et de Frédéric Becbédé, non, là, on se lâche vraiment. Franz est tellement bourré qu'il monte sur la table et le voilà qui pisse sur le baba au rhum. Alors pour l'excuser, j'ai dû danser la chemise avec toute la famille. On a fait les canards et les serviettes qui tournent et on est vachement bien. Ouais. D'autant que ces gens ne sont pas idiots. Ils sont juste alcooliques. Soudain, la sonnerie retentit. Une silhouette fait son entrée sous nos regards émus. Qui est donc cette personne qui force mon respect ? Mais c'est le seul, le vrai. C'est le petit bonhomme en mousse. L'allure majestueuse, il se dirige vers moi et m'emmène dans un coin. Je m'interroge soudain sur les penchants sexuels de cet étrange petit bonhomme en mousse. Nicolas, me dit-il, arrête de nous prendre pour des cons. Voilà plusieurs semaines que tu te moques des gens modestes. Je n'aime pas cet humour, ce 14e degré qui masque ton mépris d'éternel gosse de riche. Tu la connais, ma vie, à moi ? Toi, le bobo de gauche, né à Neuilly-sur-Seine, connard, et paf ! Il m'envoie une mandale en pleine gueule. Je me dis, heureusement qu'il est en mousse, cette espèce d'enculé. Mais je sens la colère qui rugit dans ses yeux. Alors je m'excuse à genoux, je lui dis que je le comprends, qu'on partage pas le même humour, mais qu'on peut bien vider ensemble 3 ou 4 bouteilles de rouge. Il me dit, c'est d'accord, pour picoler, je suis toujours là. Du coup, on s'est pété la gueule jusqu'au petit matin. J'ai appris toute sa vie, sa grande histoire d'amour avec Bob l'éponge. France ronflait, juste à côté, ses quelques cheveux argentés, gracieusement étalés entre les deux obus de Madame Duchemol. Quand le soleil s'est levé, Patrick, je n'arrivais même plus à articuler un mot, moi qui suis si bavard, le petit bonhomme en mousse a lancé le CD de Patrick Sébastien, et je peux vous jurer qu'avalant tous mes sarcasmes, j'ai trouvé ça sublime. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci. Merci Nicolas. À la semaine prochaine.